Bonjour, c'est Sylvain de Interview by Sylvain, magasin Grange à Genève. Le sujet du jour, ce sont les tables basses, quelques exemples d'idées, de création et d'ambiance. Donc ici, c'est les tables Notre Monde, Ethnicraft. Vous avez ce qu'on appelle des tables gigognes, donc on est dans de la rondeur. Ça rentre à l'intérieur, ça peut disparaître aussi totalement. Et vous avez deux plateaux, et là on a tout un choix gigantesque de plateaux qui ne coûtent pas très cher, entre voilà, 150 à 200 francs le plateau, avec le dessus en verre ou un aspect bois. C'est sûr que le verre est plus solide si on renverse l'apéritif dessus. Et vous voyez, ça s'emboîte, donc on peut très bien prendre un seul plateau, pas l'autre, ou les deux, et puis s'amuser, se faire plaisir, servir l'apéritif avec des amis. Donc je vais vous montrer après différentes autres couleurs. Ici, vous avez la table basse de Duvivier, fabricant français, label NF Prestige, donc double verre fumé. Ça se fait aussi avec la base en bois, ça se fait aussi la base avec un aspect comme de la pierre aussi. Et ça se fait aussi en verre transparent, carré ou rectangulaire. Donc très fin, très pur. Voilà, les choses les plus belles sont souvent les plus simples. Ici, vous avez la console, mais qui se fait aussi en table basse, avec un plateau bois dessus. Un peu plus imposant, en vingué. Mais ça, c'est aussi dans les couleurs en bois naturel, en chêne clair, qui est aussi très tendance. Et on peut le faire un peu sur mesure. C'est artisanal, ça vient de Belgique. Ça, c'est sympa aussi. Vous avez ici donc, une artiste italienne qui avait l'idée de faire des tableaux comme ça. Donc, c'est tous des aspects matière. Et après, on a plein, toute une panoplie de couleurs à proposer. Donc ça, c'est un peu comme un soleil. Ça, c'est un peu comme un tronc d'arbre, vous voyez, suivant les couleurs. Et on peut jouer 2-3 tables ovales, rectangulaires, ronds. Ici, on a fait une rectangulaire avec les côtés arrondis, avec un dessin un peu crocodile. Très sympa au niveau des définitions. Ici, vous avez des petites tables de bout de canapé de Sarah Lavoine, les nouveautés. Ils sont en bois naturel, qui est la tendance actuelle. Donc ce genre de couleur à retenir, parce qu'on va en trouver de plus en plus dans le déco. Alors ici, bon, une table aussi, c'est une imitation qui est très connue aussi de ce genre de table. Pareil, on l'a en noir, on l'a en noyer, on l'a en bois clair aussi. Très léger, toujours intemporel, ça fait toujours ça. On retrouve à nouveau la table de l'artiste comme un soleil, mais plus grand. Et à nouveau les tables basses de Sarah Lavoine, mais dans la couleur un peu plus foncée. Les couleurs un peu noires foncées aussi, un peu genre bois brûlé aussi, font partie aussi des oppositions qui marchent bien. Et puis encore une autre idée de table gigogne. Mais celles-ci, elles ne s'emboîtent pas totalement. Elles se font que dans cette couleur-là. Et puis toujours Sarah Lavoine, avec de la laque aussi. Donc on peut aussi faire un peu de laque pour des couleurs comme ça, ou vous avez derrière le bleu. Couleur bleue Sarah Lavoine, toujours très sympa. Avec toujours les petites décos qui vont avec. Voilà, quelques idées. Et il y en aura encore plein d'autres qui arrivent. À bientôt, au revoir.